La dernière fois, nous avons vu que l'un des points qui bloquait le plus souvent dans les grands groupes était d'aider quelques-uns des peu actifs à s'appliquer pour compenser les départs naturels. Nous allons aller plus loin aujourd'hui en permettant à votre groupe d'avoir suffisamment d'actifs sur la durée. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir le secret pour permettre que de nouvelles personnes remplacent celles qui partent. Alors on a différents niveaux d'implication, c'est un petit peu comme des marches d'escalier finalement. On a différents niveaux, alors on a les proactifs c'est ceux qui prennent des initiatives, alors ils sont en général simplement de 1 à 5%, donc n'attendez pas que tout le monde prenne des initiatives dans votre groupe, vous n'aurez que 1 à 5% dans le meilleur des cas, sur un grand groupe évidemment. Pour les réactifs, c'est ceux qui vont réagir en donnant un coup de main quand vous leur demandez ou quand vous posez une question. Et eux, ils sont en général de 10 à 20%, donc ils ne sont pas non plus les plus nombreux, hein, mais c'est eux qui vont effectivement permettre aussi de réagir et donc faire toute l'activité de votre groupe. Ensuite, eh bien, on a les observateurs. Alors ces observateurs, ils sont très intéressants, on en a déjà parlé, parce que en fait, ils suivent ce qui se passe, mais du coup, c'est les bons candidats pour devenir actifs si vous leur montrez les prochaines étapes et que certaines les intéressent. Et ensuite, on a les inactifs et enfin les non-membres. Alors, il faut bien comprendre que ce sont des rôles et pas des personnes. Alors pour ça, eh bien, posez-vous une petite question d'abord. Vous êtes dans, allez, dans 10, 20 groupes, peut-être plus. Ça peut être des groupes familiaux, professionnels, sportifs, amicaux, sur Internet, sur des réseaux sociaux, etc. Alors, est-ce qu'il y a un de ces groupes au moins où vous prenez des initiatives, peut-être à la maison, peut-être professionnellement? Est-ce qu'il y a un groupe positif, proactif? Donc, vous êtes proactif dans au moins un groupe. Alors maintenant, mettez-le de côté, et est-ce qu'il y a un autre groupe dans lequel vous êtes plutôt réactif? C'est-à-dire, si on vous demande un coup de main, vous le donnez, et puis voilà, ça va, à ce moment-là, vous pouvez réagir. Si c'est le cas, effectivement, probablement, vous avez un autre groupe dans lequel vous n'êtes pas forcément proactif, mais réactif. Et finalement, mettez-le encore de côté, et est-ce qu'il y a un autre groupe dans lequel vous êtes observateur, c'est-à-dire vous suivez ce qui se passe, et en général, eh bien voilà, vous ne réagissez pas, en grande majorité des temps, mais vous suivez quand même ce qui se passe. Dans ce cas-là, vous êtes aussi observateur, dans ce groupe-là par exemple. Et est-ce qu'il y a un groupe dans lequel vous êtes inactif, totalement inactif? Alors peut-être vous allez me dire non, et c'est peut-être simplement parce que vous avez oublié que vous faisiez partie de ce groupe-là. On fait tous partie de plein de groupes, Facebook, LinkedIn ou je ne sais quoi. Et donc il y a toujours un groupe dans lequel aussi vous êtes inactif. Donc vous êtes proactif, réactif, observateur ou inactif, suivant le type de groupe. Et donc ce sont des rôles, et on va essayer de faire en sorte que les personnes qui sont en un certain rôle dans votre groupe, eh bien au moins certaines s'impliquent un petit peu plus. Pour ça, eh bien, on a une descente naturelle de notre escalier, puisque en fait, les gens vont se désimpliquer pour plein de raisons tout à fait naturelles. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent plus à ça, ils déménagent, ils partent à la retraite, ils ont des difficultés familiales, ça ne les intéresse plus tout simplement. Donc c'est tout à fait naturel qu'il y ait des personnes qui se descendent. Mais si on a parlé justement d'avoir un pourcentage assez constant de réactifs ou de proactifs, ça veut dire que s'il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui doivent monter. Donc naturellement, vous devriez avoir des gens qui s'impliquent. Et ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que... Pas simplement parce qu'il faut tirer ou pousser les gens pour les aider à monter dans l'escalier, mais simplement, il faut faire attention que les marches d'escalier ne soient pas cassées. S'il manque une marche, par exemple, eh bien, vous allez avoir un petit souci et les personnes ne vont pas pouvoir s'appliquer facilement. On peut toujours descendre, hein, même sans les marches, on tombe. Mais par contre, si jamais on n'a pas toutes les marches, eh bien, on va avoir du mal à monter. Donc du coup, eh bien, on va essayer de voir comment réparer ces marches d'escalier. Et chaque marche représente finalement une activité spécifique qui va être très importante, fondamentale pour une des personnes, pour un des rôles, pour que quelques-uns d'entre eux montent. Alors comme en général plus bas, eh bien, on a plus de monde, il suffit qu'un tout petit pourcentage monte une marche pour compenser les départs naturels. On en a parlé déjà dans les activités pour faire vivre votre communauté en réseau, ici. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous n'êtes pas très bon sur une des activités, par exemple les rencontres ou les choses comme ça, c'est pas très très grave, ça marchera quand même. Si vous n'êtes pas bon sur deux, ça marchera un peu moins bien, mais ça marchera quand même. Même sur trois ou même sur quatre, si vous n'êtes pas bon sur les quatre activités et que vous n'avez pas beaucoup de temps, même peut-être pour les mettre en place, ça marchera quand même. Par contre, s'il manque une seule de ces quatre activités, eh bien il va vous manquer une marche, et à ce moment-là, là vous allez bloquer, là vous allez avoir des difficultés pour avoir des personnes nouvelles qui s'impliquent, et votre escalier, à un moment donné, eh bien ne va pas être naturellement permettre aux personnes de grimper les marches. Alors, la première des activités, R, on va parler de REPI, R-E-P-I, R comme rencontre. Les rencontres, eh bien, elles servent à quoi finalement dans la communauté? Dans les projets, dans les petits projets, eh bien, ça sert à produire des choses. Mais dans la communauté, le but réel est assez différent.
En fait, c'est la marche qui va permettre à quelques réactifs, parce qu'il faut être réactif pour venir à une rencontre, on vous donne un rendez-vous, vous venez. Les observateurs, par définition, ne viennent pas aux rencontres, c'est les réactifs et les proactifs. Eh bien, quelques réactifs vont se dire, ah tiens, c'est pas mal, là, il y a des tas de projets, moi j'aimerais bien lancer un projet sur telle chose, mais j'ose pas trop. Alors les autres vont lui dire, ah bah tiens, si tu veux, on peut t'aider, voilà comment on a fait, etc., etc. Et à ce moment-là, eh bien, quelques réactifs vont devenir proactifs, vont prendre des initiatives, par exemple, lancer un nouveau projet dans la communauté. Alors, il se trouve que si c'est fondamental pour les réactifs, eh bien, ça va être aussi important et utile pour les proactifs. Le E, comme échange entre les rencontres. Alors, c'est vraiment la partie la plus mal connue, d'abord parce qu'elle cible les observateurs. Les observateurs, jusqu'à il y a 10 ans, on ne savait pas ce que c'était, on pensait que les inactifs, les observateurs, on mélangeait tout. Et on s'est rendu compte vraiment que voilà, c'était très important de regarder ceux qui suivent les observateurs. On en a parlé d'ailleurs dans la liste d'échanges, ni liste de discussion, ni liste de diffusion. On voit que c'est quelque chose, une activité très très particulière, dont le but n'est pas du tout de discuter en ligne, puisque en fait, on peut discuter entre les rencontres, enfin, dans un petit projet. Dans les grandes communautés, eh bien, on va plutôt discuter lors des rencontres, ou alors si vraiment vous voulez discuter en ligne, ben, vous mettez un forum dans un coin. Mais cette liste d'échanges, ces envois, eh bien, sont principalement et indispensables pour les observateurs, pour connaître la prochaine étape des différentes activités, savoir qu'ils y sont les bienvenus, que c'est ouvert, et donc pouvoir y venir. Donc c'est plutôt quelques messages très courts envoyés directement par les différentes personnes, contrairement à une lettre d'information dont on reparlera tout à l'heure, mais qui est plutôt envoyée plus longue et envoyée de temps en temps, pas trop souvent, à tout le monde. Donc les échanges entre les rencontres, regardez bien effectivement, parce que c'est vraiment l'endroit en général où ça bloque, parce que c'est moins bien connu, c'est pas très compliqué, mais c'est pas bien connu, on pense à discuter, alors que là il s'agit au contraire d'avoir les informations, les échanges entre les rencontres, c'est les informations des prochaines étapes, pour qu'un observateur puisse participer. Et encore une fois, eh bien, les réactifs et les proactifs, ceux qui sont sur les marches plus hautes, bénéficient aussi à ces échanges entre les rencontres, mais elles sont indispensables pour les observateurs. Alors, la troisième étape, P comme espace de partage. On en a parlé aussi un petit peu. Alors, c'est en gros, par exemple, le site de travail. Pourquoi ? Parce que vos inactifs, cette fois, c'est la marche qui les concerne le plus, eh bien, il faut raccrocher les wagons. Ils arrivent dans une rencontre, ils ne savent même plus de quoi parle le groupe, ils arrivent dans les échanges entre les rencontres, ils voient les choses passer, des informations, mais ils ne savent plus très très bien à quoi ça correspond. Ils ont besoin de retrouver le contexte. Et donc, on va avoir un site qui va permettre, contrairement à un blog ou à un réseau social d'ailleurs, de retrouver tout facilement par thème, de manière à pouvoir avoir les différents éléments. Et si vous voulez savoir exactement qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un espace de partage pour pouvoir avoir toutes les informations, je vous renvoie à un ancien truc d'animation, les 10 choses à avoir sur le site de votre groupe. Et donc ça va permettre aux inactifs, et ça va être indispensable pour eux de pouvoir accrocher les wagons, et encore une fois, eh bien, ça va être aussi utile accessoirement pour les observateurs, les réactifs et les proactifs. Alors la dernière marche, le I, eh bien, elle va concerner surtout et principalement et de façon indispensable les gens qui ne sont pas encore dans votre groupe, les non-membres. Pourquoi ? Parce que si votre groupe est en réseau, en archipel par exemple, peut-être qu'on en a parlé, eh bien, l'intérieur du groupe, effectivement, les gens vont être en réseau, vont pouvoir se échanger directement là-dedans. On sait que le facilitateur, il n'est pas là pour dire tout, mais pour que quelqu'un qui propose un projet, eh bien, puisse le dire directement aux autres, de manière à ce qu'il y ait des échanges entre les membres. Mais par contre, eh bien, à l'extérieur de la communauté, on va être plutôt en étoile, puisqu'on va voir la communauté comme une sorte de centre. Et là, on a besoin d'une activité en étoile. Alors typiquement, I comme information, le flux d'information, ça peut être une newsletter, donc une lettre d'information, ça peut être un blog, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être tout ça en même temps, puisqu'il est très facile de publier les mêmes informations sur différents endroits. Et donc ça va vous permettre de faire circuler l'information. Si vous faites une lettre d'information, pas trop souvent, hein, plutôt une fois par mois, ça suffit amplement, c'est pas à peine d'inonder les messages, surtout dans les mails, avec plein de grands mails, comme ça, c'est plus d'informations. Ça va plutôt raconter ce qui s'est déjà passé pour donner envie de venir dans votre groupe, alors que, comme on l'a vu, les échanges entre les rencontres, c'est plutôt la prochaine étape de ce qui va se passer. Ces flux d'informations vont être également utiles pour les étapes supérieures, c'est-à-dire pour les observateurs, enfin pour tous les gens qui sont dans le groupe, c'est-à-dire les proactifs, les réactifs, les observateurs et les inactifs. Donc vous voyez que chacune des activités, eh bien, concerne, est indispensable pour un des stades. Alors très souvent, on commence par mettre en place une lettre d'information. Effectivement, ça peut être utile pour tout le monde, mais c'est surtout indispensable pour les autres. Mais du coup, il va manquer les marches indispensables pour tous les autres, c'est-à-dire les réactifs, les observateurs ou les inactifs, par exemple. Alors à vous de jouer.
Qu'est-ce qui vous manque dans ces différentes marches d'escalier, dans ces quatre activités répit, rencontres, échanges entre les rencontres, espaces de partage et flux d'informations? Et est-ce que, en particulier, vous pourriez aider quelques-uns de vos observateurs à réagir? C'est souvent là où ça bloque. Donc, regardez un petit peu quelles sont les activités que vous pouvez développer. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être parfait sur les activités, mais surtout de ne pas manquer une seule des activités, et en particulier les échanges entre les rencontres. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.